tas de trèfles. Symbolisant le pouvoir, l'autorité et la puissance, la carte du roi de trèfle en cartomancie fait référence à une figure patriarcale qui apporte des conseils de vie aux consultants. Plongez au cœur de cette carte fascinante pour découvrir ses significations profondes, son interprétation, et les méthodes de tirage qui vous éclaireront. Roi de trèfle. Signification en cartomancie. Incarnant la force, la domination, ainsi que la confiance, le roi de trèfle représente un soutien qui permet d'atteindre le but ou l'objectif du consultant. Il peut s'agir du soutien d'un individu plus âgé, d'un proche ou d'un membre de la famille. Roi de trèfle, interprétation. La carte du roi de trèfle fait référence à une personne possédant un grand pouvoir ainsi qu'une autorité écrasante. Celle-ci va vous permettre de faire face aux défis de la vie tout en vous protégeant tout au long du chemin. Le roi de trèfle saura vous réconforter et vous soutenir dans les moments les plus difficiles de votre vie. Roi de trèfle. Méthode de tirage. Tout comme les autres cartes, la signification et l'interprétation du roi de trèfle dépend entièrement de la méthode de tirage ainsi que des cartes voisines. Roi de trèfle. Tirage droit. Dans ce tirage, il annonce des opportunités qui se présentent dans la vie du consultant sur le plan professionnel et émotionnel. Le roi de trèfle vous encourage à passer à l'action en développant vos compétences pour atteindre le succès. Dans l'autre cas, il vous incite à faire part de vos émotions à la personne concernée. Cette carte vous pousse à avoir confiance en vous-même, à être honnête et à progresser continuellement vers la réussite. Vous atteindrez ainsi vos objectifs de vie tout en profitant d'un équilibre intérieur et d'une harmonie envers vous et votre entourage. Roi de trèfle. Tirage inversé. Ici, le roi de trèfle indique la présence de difficultés malgré vos efforts acharnés et votre détermination. Il vous conseille de prendre du recul et de revoir vos objectifs afin d'éviter les pertes tant sur le plan financier que professionnel. Sachez faire preuve de réalisme en vous concentrant sur des projets accessibles. Il s'agit d'un avertissement de la part de la carte qui vous recommande de faire attention dans ce que vous entreprenez. Prenez donc garde et épargnez-vous les endettements et sachez réévaluer vos ambitions ainsi que vos objectifs. C'est la fin de cette vidéo et nous espérons qu'elle vous a plu. Pour nous soutenir et afin de nous motiver à vous fournir plus de vidéos d'interprétation, mettez un j'aime à la vidéo et abonnez-vous à notre chaîne. Merci et à bientôt sur Numérologie et Spiritualité.